Hello World, c'est Golden et bienvenue pour cette nouvelle présentation de Snapshot. Aujourd'hui la 21W06A de la 1.17, la Cave Update. Et cette snapshot-ci porte plutôt bien son nom car c'est la première snapshot de la Cave Update qui a enfin une nouvelle génération pour y introduire les nouvelles grottes. Et pas que, puisque vous êtes peut-être en train de vous dire, mais Golden, pourquoi est-ce que tu es en l'air, etc. Et bien en fait c'est parce que je voulais vous montrer une énorme modification au niveau de Minecraft. La hauteur des mondes a été modifiée. Il est désormais possible de dépasser la limite de 256 blocs pour atteindre, attention les yeux, la couche 320. Alors oui, Mojang a ajouté 64 blocs au niveau du dessus, donc on peut monter maintenant 256 plus 64, ça fait 320. Mais pas que, puisque Mojang ont aussi agrandi la profondeur des mondes, on peut maintenant aussi aller jusqu'à la couche moins 64. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tellement dingue, regardez la hauteur que je vais tomber. Oui, ça met tellement longtemps avant d'atteindre ici. Et encore, là, je suis actuellement dans un biome montagne. Il faut vous dire à quel point c'est ça, c'est grand. Il n'y a pas que ça aussi dans Sensashot, puisqu'on a l'ajout des nouvelles générations de cavernes. En tout cas, deux en particulier. On n'a pas eu de nouveaux blocs, par contre, pour cette snapshot, ce qui est un peu dommage, mais je pense que ça viendra à l'avenir. Et c'est assez hallucinant maintenant, les grottes qu'on a, c'est vraiment très proche des cavernes, des générations des FK, que vous pouvez peut-être très certainement connaître. Donc, je vais vous montrer, par une grotte qui est très précise parce que c'est une caverne qui est toute en hauteur. Attention les yeux, c'est assez incroyable. Regardez-moi cette hauteur de truc. Genre là, vous avez juste la hauteur ici avec la montagne. Ça continue au niveau de l'eau. Ça continue ici. Là, on a un petit truc d'améthyste. On continue encore sur le bas. On a maintenant au niveau de la redstone. On descend un petit peu. Coucou le diamant qu'on trouve juste ici. Et on peut encore continuer un petit peu. Là, voilà. Par exemple, on est à peu près ici. On n'est pas trop mal dans cette caverne. On tombe un petit peu sur du copper. Mais on peut encore également aller un peu plus profond. Puisque, voilà, la bedrock arrive uniquement que ici. Et là, on est à peu près à la couche moins 67. Donc, puisque pour rappel, la couche moins 64, c'est là où on commence à prendre des dégâts dans le Nether, dans l'Overworld ou simplement dans l'End lorsqu'on tombe dans le Void. Ce qui, du coup, commence à nous faire des dégâts. Donc maintenant, on est vraiment à la limite. C'est-à-dire que si, par exemple, on creuse la bedrock qui est juste au-dessus de moi et qu'on tombe, eh ben, on va mourir quasiment instantanément. Et quand on voit ce réseau de grottes, c'est assez abusé. Hein, c'est vraiment incroyable. Et on a beaucoup de nouvelles générations de grottes, enfin de grottes différentes. Malgré qu'il y a quand même des noms de grottes différentes, il y a aussi des manchas qui ont été modifiés. Donc ça va être assez hallucinant. Comme là par exemple ici on a une nouvelle génération de grottes avec des espèces de stalagmites et de stalagmites faits de roches. Je trouve ça juste beaucoup trop classe. On voit aussi, alors ça c'est vraiment une spéculation de ma part mais je suis pas 100% sûr. Vous me direz peut-être ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que la génération des minerais est différente. Parce que par exemple là on voit qu'il y a beaucoup de redstone ici. Donc je sais pas si c'est vraiment un test de génération ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que, parce que, par exemple, vous voyez, là, genre là, j'ai des minerais et tout, mais tout à l'heure, j'avais croisé des minerais, genre par exemple, des mines de charbon qui sont pile au milieu, genre là, il y avait du lapis, genre c'était vraiment des regroupements de trucs. Et aussi, un petit truc que je viens de penser, c'est que maintenant qu'on peut aller encore plus bas, c'est-à-dire que la couche, enfin les diamants, vous voyez, par exemple, là, on a la couche moins 57 et on trouve encore du diamant. C'est-à-dire que maintenant, la zone pour avoir du diamant en termes de hauteur est vraiment beaucoup plus grande, parce qu'avant, on avait juste la couche entre 5, je crois, où on avait de la bedrock et encore, on peut encore un petit peu en dessous, mais entre la couche 5 et la couche 16 on trouvait du diamant. Maintenant c'est de la couche 16 à la couche moins 64 pour avoir du diamant. C'est juste hallucinant. D'ailleurs on voit aussi que le copper se génère, il y a aussi le gold, le charbon, la redstone, le lapis aussi, je pense que le l'émeraude également, mais bon pour l'instant c'est pas grave. On voit aussi qu'il y a du petit lichen maintenant qui spawn ici, et on voit aussi maintenant de la bedrock un petit peu. Je trouve que c'est tellement incroyable. En tout cas au niveau des grottes, ça va tellement être plus n'importe quoi. On pourra plus maintenant genre faire ça quand on croise un squelette, genre on fait hop comme ceci, on peut se protéger dans des petits couloirs et puis le squelette ne passe pas. Bah maintenant si, vu l'espace qu'on a, c'est assez abusé. Ah oui, c'est un petit truc qui est un petit peu dommage, c'est que maintenant les grottes, il y a énormément de mobs qui vont spawner. C'est à dire que lorsque vous allez devoir faire une tour à mob, bah va falloir penser à beaucoup éclairer, et éclairer tout ce dédale de cavernes, ça va être très très compliqué. Alors attention cependant, écoutez très bien ce que je veux dire parce que c'est très important, vous ne pourrez pas passer votre monde en version 1.17, en tout cas pour le moment, je précise bien, puisque vu qu'il y a une nouvelle génération et surtout la composition des mondes est maintenant beaucoup plus haute, hein, vous voyez que maintenant on peut aller à la couche moins 64 et à la couche 320 au total, donc ce qui fait à peu près 384 blocs je crois de haut, ce qui est assez hallucinant. Donc on ne pourra pas passer notre monde parce que c'est complètement interdit par Mojang, enfin ils ne nous ont tout simplement pas laissé l'opportunité de changer ce monde là, c'est pour ça que je voulais prendre le monde précédent mais ça marchait pas, donc ce qui est un petit peu dommage, mais je pense que très certainement à l'avenir il y aura une chose simplement pour ajouter, mais que pour le moment c'est pas encore fait. Alors faut pas vous inquiéter, on aura également des nouveaux biomes. Oh du diamant. On aura des nouveaux biomes comme par exemple le fameux biome dans lequel on voit des roches qui sont très différentes avec le Warden qu'on a pu voir durant la Minecon Live. Donc je pense qu'il y aura très certainement des biomes vraiment dans la hauteur. Et genre vraiment tout en bas, bah là normalement je pense qu'on devrait croiser les fameux Warden qui devraient être très très intéressants.
Et alors du coup, là, on est rendu à deux types de grottes. Vous avez les grottes dites classiques, qui sont comme ceci, qui vont des fois être un petit peu plus rétrécies, des fois un petit peu plus grandes. Donc Mojang les appelle tout simplement les Noise Caves, donc les cavernes bruyantes. Alors il faut savoir qu'en fait, c'est absolument rien en rapport avec du bruyant, mais plus au niveau d'un gruyère, en fait, ils appellent plutôt ça. Alors je sais pas ce qu'ils ont avec la nourriture pour cette snapshot, mais ils ont tout comparé leurs cavernes au niveau de la nourriture. Genre par exemple, vous pourrez tout très bien tomber sur des petites cavernes comme ça, avec à l'intérieur des petits détails. D'un coup, c'est un peu plus petit, les grottes, et puis d'un coup, ça va être un petit peu plus grand, etc. Donc ça, ce sont les Noise Cave qui parlent tout simplement de camembert, voilà, de fromage de gruyère, en fait, pour vraiment être plus précis, de gruyère avec des trous, et des fois, c'est des trous un peu plus grands, des gros un petit peu plus petits. Et quand vous rentrez par l'un, vous savez pas trop par où vous allez sortir, donc c'est plutôt assez intéressant de voir ça comme ceci. Et le deuxième type de grotte qu'on peut voir, elle est juste ici, ce sont les aquifères, donc les aquifères, je crois en français. En gros, ce sont des grottes qui sont sous-marines et qui vont toujours se générer entre la couche 31 et la couche 63, et ne sont pas forcément pourtant raccordées à la mer. C'est vraiment des grottes qui sont juste comme ceci. Et en gros, c'est des espèces de grottes dans lesquelles vous avez des hauteurs d'eau, genre là vous avez de l'eau, et après hop, il va falloir sauter, hop, vous plongez, et après vous continuez comme ceci. Ce qui peut être intéressant, d'ailleurs ça va être très très chiant maintenant d'aller miner avec toute cette eau, ça va être un calvaire, surtout pour enlever l'eau. Aïe aïe. Et là on voit vraiment beaucoup de diamants. Je pense que maintenant ça serait vraiment très intéressant de voir les KTP et tout, parce que là, tout ce qui est la nouvelle génération, ça va tellement apporter un je pense, une rapidité mais monstrueuse au niveau de la récolte de ressources, ce qui va permettre de faire des séries beaucoup plus courtes et beaucoup plus dynamiques. Ça, j'ai franchement hâte de voir ça. Voilà, et donc vous voyez par exemple ces fameuses cavernes, c'est une sorte de type, hein, parce qu'il y a l'aquifère, mais il y a aussi la forme de type, alors qu'ils appellent ça des spaghettis. Donc ça ressemble à de la tagliatelle apparemment, genre nourriture. Je sais pas ce qu'ils ont, Mojang, là, je sais pas, ils devaient avoir faim, ils disaient bon, et c'est bon, la snapshot, ça me fait suer, je la sors aujourd'hui, je vais bouffer, et puis voilà. Donc c'est assez spécial. Donc là par exemple, vous avez des cavernes vraiment très dans la ficelle, hein, comme des spaghettis, c'est pour ça que là c'est tout dans la longueur et tout. Et bien évidemment, vous avez aussi les anciennes grottes qui resteront, il y a aussi les anciennes crevasses qui ça faut pas s'inquiéter dessus, mais c'est juste qu'elles se connecteront, hein, il n'y aura pas de problème là-dessus. Et moi je trouve ça très intéressant, ça nous permettra de voir beaucoup plus de choses sans pour autant vraiment enlever le côté Minecraft à l'époque. Vous voyez, genre là c'est les anciennes cavernes et tout, d'un coup on va aller par là et ça se trouve en prolongeant. Vous voyez par exemple ici, hop, si on va là, d'un coup ça va devenir plus grand, et puis si on continue à descendre, hop, là on retourne dans un truc un peu plus petit, si on continue de descendre, ainsi de suite et ainsi de suite. Et des fois, bah, on pourra tout simplement tomber sur des cavernes aquatiques ou des grosses cavernes. Vous voyez par exemple là, genre là les spaghettis, ça va vraiment tout en haut. Donc vous voyez, là on peut facilement, très facilement même descendre au niveau de la couche du diamant, juste en passant par là, hop, on arrive là, on descend tout le long, et pouf, on peut arriver jusqu'à la petite couche du diamant, tranquillou. Alors petite précision aussi au niveau des aquifères qu'on peut voir juste là. Alors c'est aquifère ou aquifère, je me rappelle plus. Aquifère, oui c'est ça. Aquifère c'est en anglais en tout cas, et après je crois que c'est aquifère en anglais, en français je veux dire. Donc bref, en tout cas il y aura toujours une entrée aquatique, c'est-à-dire que de l'extérieur vous pourrez toujours voir de l'eau, et s'il y a une grotte en dessous, c'est justement ce type de grotte. Et après normalement, très souvent, si vous creusez un petit peu, bah vous allez pouvoir tomber dans une suite de grottes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs on voit également que les améthystes se génèrent. D'ailleurs par contre c'est un petit peu dommage parce que l'eau ne rentre jamais vraiment dans ces espèces de blocs d'améthystes, ce qui est... Ah, ça casse un peu le truc, mais après ça permet de récupérer de l'air aussi, parce que là forcément quand on va ici, bah, on pourra tomber sur de l'air, mais assez rarement en fait. Donc c'est, vous voyez, genre là va falloir qu'on creuse pour avoir de l'air. Ça va être un peu chaotique maintenant l'exploration des grottes, mais je trouve ça fortement intéressant. Vous voyez par exemple ici, on en a un autre type avec de l'eau juste ici. On peut tomber sur du diamant comme j'ai pu voir un petit peu. Attendez, où est-ce que j'ai vu le diamant? Je l'ai vu, voilà, ici. Avec du glowlition pour éliminer un petit peu les fonds de caverne. Et ici, on a tout simplement la bedrock avec le reste. Et je pense que de toute façon, ils ajouteront d'autres petites choses. Parce que, oui, de manière assez annoncée dans le changelog, il y aura de nouvelles choses, de nouvelles structures. Ils parlent bien de nouvelles structures. Et j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. Parce que là, on a le stronghold, etc. Mais ça peut être un peu le bordel. D'ailleurs, ils précisent également que tout ce qui est mineshaft, les strongholds, les donjons, etc., ça peut vraiment se générer maintenant à n'importe quelle couche. Là, par exemple, si on voit la couche où je suis actuellement, on peut tout simplement voir que je suis à la couche exactement moins 34. Donc, vous voyez qu'il y a des mineshafts qui spawnent. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on croisera aussi des donjons, les strongholds, etc. Ça peut se générer à n'importe quelle couche. Et d'ailleurs c'est très rare, mais vous pourrez de temps en temps tomber sur des blocs de magma. Alors c'est vraiment par petites pointes, c'est encore plus rare que le diamant, c'est genre peut-être au niveau de l'émeraude, peut-être au niveau de la génération, je n'en ai vraiment pas croisé beaucoup beaucoup. Mais en gros vous en aurez un ou deux collés l'un à l'autre, et puis voilà, c'est tout. Donc ça peut permettre d'en récupérer quelques-uns en début de partie pour faire des ascenseurs, ça peut être pas mal si vous ne trouvez pas par exemple d'océan à côté de chez vous, ça peut être pratique. Ensuite, au niveau des mineshafts, les mineshafts seront plus grands et seront plus adaptés maintenant au niveau des... Pour voilà, vous voyez par exemple ici, la génération est quand même moins chaotique. Alors c'est toujours le bordel, on est d'accord, mais c'est quand même un peu mieux que ce qu'on avait eu à la base. Des fois, vraiment, on avait des trucs qui...
qui s'étendaient dans le vide comme ça et tout. Maintenant il y aura des poutres qui vont également apparaître en bois de pur, donc des troncs d'arbres, ce qui peut permettre de récupérer du bois plus facilement que de casser des planches et plus rapidement aussi. Et au niveau de la génération des cobwebs, ça a changé un petit peu. Maintenant vous ne croiserez plus aucune cobweb dans le sens où vous en croiserez par exemple une en volant comme ceci. Ça n'existera plus, toutes les générations de cobwebs se feront directement coller à un bloc au niveau de dessus, ou alors quand par exemple vous aurez un spawner, dans ces cas là elles seront collées les unes aux autres, mais vous en croiserez plus une comme ça en mode random, je vole et puis YOLO quoi. Changement également au niveau des big drip leaf, donc vous vous souvenez c'est les petites plantes qui sont là et lorsqu'on se met dessus en fait avant tout simplement s'aplatir et hop on tombe, et bien maintenant ça a été modifié. Bonjour les copains, les squelettes. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que tout ce que je vous ai dit dans la snapshot précédente au niveau par exemple des cassages, parce que par exemple avant on pouvait tout simplement casser comme les l'Icarus en tirant dessus, maintenant non, ça ne casse plus, ça s'aplatit juste, voilà, donc c'est un petit peu dommage, enfin c'est un petit peu dommage, non en fait je préfère beaucoup plus ce principe là, parce qu'avant casser c'était pas forcément ultra intéressant, et pareil si maintenant vous essayez de tout simplement vous accroupir dessus, ça ne marchera pas, la plante va tout simplement se casser. Et chose que je trouve très intéressante, parce que avant en fait c'était trop simple, et vous remarquez aussi que maintenant la drip leaf se casse beaucoup plus vite. Avant ça prenait un de 7 ans, et maintenant ça se casse quasi instantanément, donc c'est vraiment cool pour le niveau du jump. Ça rajoutera plein de petits détails et plein de petits trucs, ça forcera les gens aussi à s'améliorer en jump, et moi je trouve ça vraiment très cool, et j'espère que ça se générera très bientôt. D'ailleurs aussi, je vous l'avais pas montré dans la smashot précédente, mais elle permet également de faire de la redstone, que vous avez pu le voir. Si on se met dessus, hop, on voit à chaque fois les états dans lesquels la plante va se casser petit à petit, et ça permet d'envoyer de la redstone dessus, ce qui est quand même cool. Et cependant, lorsque vous tirez dessus, ça va juste en dropper une signal de redstone et pas plusieurs, donc voilà, c'est assez important de noter ça. Et d'ailleurs pour tout ce qui est saut, c'est pareil, hein. Vous aurez beau sauter dessus pour essayer de pas la faire tomber, elle cassera tout pareil, donc il faudra faire attention. Vous aurez également remarqué, mais les hanging roots ont changé un petit peu de texture. Voilà, il y a le mec qui s'occupe des textures. Enfin, je crois pas que c'est Japa, c'est je crois encore quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça. Ou alors c'est peut-être Japa, il a changé de photo profil, j'ai pas trop vraiment remarqué ça. Mais ils ont modifié un petit peu les petites racines qui pouvaient sortir. C'est un objet de déco que je trouve vraiment très sympa et j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. Et enfin, deux derniers petits trucs que je voulais vous montrer par rapport à la snapshot précédente ou une correction de bug, donc c'est quand même très important. Au niveau de notre drip leaf, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ça a une hitbox, et je l'avais pas précisé durant la snapshot précédente. Donc, en gros, vous butez contre le truc qui est là, alors que quand vous êtes dessus, dans ces cas-là, il n'y a plus de machin. Mais par exemple, du coup, si ça repose sur vous, vous allez voir que d'un coup, pouf, ça va vous accroupir. Voilà, comme ceci. Donc, il y a une hitbox, donc il faudra faire attention, par exemple, quand vous voulez faire des jumps, que vous pensez passer à travers. Non, pas du tout, vous allez tout simplement tomber. Donc, c'est assez important de faire ça. D'ailleurs, je me demande ce que ça fait si, genre, je fais ça. Ah oui, ça s'écroule, ça c'est marrant. Ça peut faire des chemins très stylés en changeant un petit peu la texture du truc, ça peut être assez marrant. Et durant la snapshot précédente, il y avait un petit bug, genre la small drip leaf, c'était l'item, enfin le bloc le plus pété du jeu, parce qu'il pouvait casser absolument tout. Et genre il suffit juste de faire un clic droit dessus et hop, ça cassait la bedrock, ça cassait n'importe quel bloc, c'était complètement pété. Genre ça cassait les barrières de blocs aussi, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et maintenant ça a été corrigé, on ne peut plus casser la bedrock avec, ce qui est un petit peu logique parce que ça revenait encore plus simple que de casser la bedrock avec les Dark Oak comme ce fut à l'époque lors de la... Alors c'était quel snapshot ça, la 1.7 je crois la version, donc ça date quand même d'il y a très longtemps. Bref, du coup je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo snapshot, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, donc si éventuellement vous voulez savoir les actualités de Minecraft et de la cave update, et ben n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, ça peut faire toujours plaisir, n'hésitez donc pas à me follow sur Twitter et à me rejoindre sur Discord, et sur ce, on se dit rendez-vous à la prochaine, allez, tchuss.